Les gars, faire rechercher l'argent, ça revient sérieux. Hein. Tonton Atien Fabrice est en train de jouer à Aigu. Aigu l'a blessé. Toute la famille a fait réunir une famille. On dit on va l'envoyer à l'hôpital. Il dit il veut pas. On l'a soulevé de force pour l'envoyer à l'hôpital. Parce que s'il meurt là, on est mort. Parce que c'est le plus riche de la famille. Il n'y a pas de drap. Deux jours plus tard, tonton Dagobert est parti au zoo. Je ne sais pas comment il s'est arrangé. On dit Lyon l'a griffé, griffé comme ça. Voilà. Vous savez, tonton Dagobert, on ne voit plus le visage. Il est sur le point de mourir. Moi, je suis venu, il est vu. Nous, on l'a vu. Il était sur le point de mourir. Tant qu'on s'est quitté au village pour venir. En pensant qu'on allait faire réunir une famille pour voir aussi tonton Dagobert à l'hôpital. Tant que tonton a demandé où il a eu l'argent pour aller au zoo là. C'est que tonton Dagobert est parti provoquer les lions. Depuis son petit là, c'est lui qui passe son temps à provoquer les gens. Il est parti au zoo pour aller provoquer les lions. Tonton Dagobert est mort devant nous comme ça. Il y a son funérailles demain. Si vous voulez venir, venez, appelez-moi. Ça veut dire quand tu n'as rien en famille là, on ne peut pas te considérer. Tonton chose, Atien Fabrice, Aigu l'a piqué son envoi à l'hôpital. Tonton Dagobert n'a pas pu l'envoyer à l'hôpital. Il est mort. Cherchons l'argent, les gars. Dubaï, il y a les gens qui marchaient Lyon, il y a les gens qui causaient Lyon, il y a les gens qui mettaient pied sur Lyon. Lyon a fait rien. Fallait pouvait partir là-bas, a mis son pied sur Lyon. Voilà, Lyon n'a rien fait. Le pro Crespo, le pro Stéphane Mbia, le pro Ortinel Freeman, avec grand chef de saison aussi, ils vont à Dubaï, ils vont marcher Lyon aussi. Ils vont mettre les pieds sur Lyon. Parce qu'ils ont jeton, c'est gamme d'argent. Quand tu as l'âme, Lyon respecte l'argent. Mais moi, hier, c'est parti voir Mago au quartier. Chien Bolu m'a poursuivi, puis il y a derrière moi quand c'est là compris que cherchons l'argent, les gars. Parce que quand tu n'as rien, tu es neuf à Chien Bolu. Le Chien Bolu voit que vous avez la même chose, parce que tu n'as pas l'argent. C'est gamme d'argent. Nous, on ne peut pas aller à Dubaï. Sinon, on va à Dubaï, Lyon, nous voit, va nous poursuivre parce que c'est, on n'a pas jeton. Ça vous dit toujours c'est gamme d'argent. Cherchons l'argent, Lyon, même va nous respecter. Quand tu as l'argent, même Lyon te respecte. Il ne faut jamais oublier ça. C'est gamme de Dieu. Mon anniversaire arrive, hein. Faut pas m'oublier. Mon anniversaire, si tu m'oublies, puis parler toi. Mon anniversaire là, faut pas m'oublier. Hein. D'accord. Il t'a pas oublié, mais il est parti à Dubaï, puis là à Dubaï, il dit viens prendre ton cadeau. Il est à Dubaï, il dit viens prendre ton cadeau. Tu as vu, non? Tu as vu que tu peux même pas aller, peut-être tu n'as même pas passeport, peut-être tu n'as rien aussi. Laisse ça faire d'anniversaire là. Cherchez l'argent. Quand tu auras l'argent, ton argent même va sortir pour aller faire anniversaire pour toi. Toi-même, tu vas même pas savoir que c'est ton jour. Chercher l'argent, laisser la fête d'anniversaire. Il fait mon anniversaire. Et c'est lui qui vient faire cadeau là. Bon, nous tous on est partis à Dubaï. On est venus maintenant. Tu fais anniversaire surprise. Tu peux même pas venir. Cherchons l'argent, les gars. Ouais, aujourd'hui c'est fête de paix. Moi, mon quartier, on s'est mobilisé. On est parti chez tonton Fabrice, son étage, pour lui donner cadeau. Malgré que sa femme n'a pas encore accouché. Hein. L'enfant est encore dans le ventre de sa mère. Mais on est parti souhaiter jouer fête de paix. Avec tous les cadeaux. Moi, on a dépassé tonton Hubert qui a 16 enfants qui étaient devant son damier. Même bonjour, lui a pas dit. Mon mère a attrapé cadeau pour aller donner. C'est là qu'on a compris que même si vous êtes joyeux, faites des paix là. On regarde l'argent, c'est gamme de Dieu. Cherchons l'argent aussi. Là, un jour, on va te saluer comme tonton Fabrice. Tonton Hubert, il ne peut pas te saluer. Tu n'as pas l'argent, tonton. Ils sont là, hein, à chaque événement, chaque jour, chaque début de mois. Ils vont poster photos des vrais. Une photo, deux photos, trois photos. Avec trois personnes différentes. C'est eux les vrais. Ils ne vont jamais mettre ta photo. Non, on suppose que toi, tu es un fou. Mais quels ont problème, ça, toi, ils viennent demander. C'est dans ça, un venu me demander. De l'aider. Il dit, frère, il y a besoin de 30 000. Il dit, ok, il n'y a pas de drap, viens chez moi, il est venu chez moi. Il n'a pas donné 30 000, il a donné 100 000. Deux semaines plus tard, il vient, il est blessé comme ça, enflé. Il dit, à quoi? Il dit, moi, c'est un maudit. Ah, il a vous expliqué pourquoi. Quel ami m'a demandé 30 000, puis il a donné 100 000 là. Il a donné 5 billets, 5 faux billets de 10 000. Il est parti payer, c'est pas quoi, ils l'ont frappé là-bas. Ah, depuis qu'un faux peut donner vrai billet. Nous, les faux, là, on a faux billets. C'est les vrais qu'on vrai bien. Donc, quand vous avez problème, partez demander ça aux vrais. Voilà. Dorénavant, c'est quoi on fait? Comme moi, c'est un faux. Tu n'as pas mis ma photo, hein. Il ne va pas parler aussi. Quand tu as venu vers moi pour me demander, c'est bien d'un faux billet. Les blessés, ils ont trop proverbes. Que si on dit ça apprend pas, demain, ça apprend. Champion. Souvent, on dit ça apprend pas. Demain, ça apprend pas. Dans une semaine, ça apprend pas. 10 ans, ça apprend pas. Tu meurs galère. C'est pas payé, tu galères. On dit que demain, tu vas avoir jeton. Voilà. Tout est dans la main de Dieu. Voilà, donc tu prends tes projets, tes petits moments, tu mènes en main de God. Non, regarde, laisse le proverbe là. Aïe, les blessés sont bons proverbes. Oh. Go, tu dors, ta vie dort, champion. On a fait 5 jours ici, on n'a rien eu. Toi, tu veilles qui vigile. Toi, tu veilles qui vigile. Mais vigile à combien? Laissez ça là. Ah, on a encore bro, on met tout dans la main de Dieu. Rome n'a jamais construit quelque chose ici. Tu dors, ta vie dort. Demain, ça prend pas. Lazare même, Lazare est mort pauvre. Donc, c'est pas parce que tu galères, tu dis que demain tu vas jeter, les gars. On a encore bro, c'est tout ce qu'on peut faire. Puis on mène en main de God. Ah, tu dors ta vie, dors comment?